messager. Jésus, Socrate, Siddhartha, Marie, Krishna, Zarathustra, tout en Camon, repeint des bois. Chacun son tour conduit la danse. Porté par la lumière, nous pouvons retourner au-delà des images, à la source du temps, ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Marcel Khalife. On va dire à Marcel Khalife, on va prendre Cyrus. Cyrus, le grand. Comment va Cyrus? Oui, bonsoir. Bonsoir Cyrus, on vous écoute. Oui, d'abord, je voulais vous poser une question. Vous avez dit dans quelques temps ça va changer en Iran. Depuis des années que je vous écoute, tout ce que vous avez prévu, c'était justifié, enfin, c'est arrivé. Alors, vous avez dit en combien de temps? Cyrus, tu sais, j'ai dit les filles iraniennes, la jeunesse, ils ont donné leur sang depuis 8 mois pour ne plus porter le voile. Ils ont brûlé leur voile, brûlé. Après eux-mêmes, ils étaient brûlés, une centaine de personnes. J'ai dit, ces braves gens, les filles iraniennes, ils vont obtenir ce qu'ils ont réclamé très prochainement. Très prochainement. Après, il reste d'autres choses, Cyrus, c'est de faire tomber le régime en totalité. Le régime, s'il va tomber en totalité, c'est des imbéciles. Parce que tu sais, je ne sais pas si tu vois mes émissions en personne ou non, moi, depuis certains temps, je parle avec mon peuple, surtout les Iraniens, les persophones dans le monde entier, surtout dans les pays persophones, il y en a 22 pays persophones. Je parle avec eux, et je suis franc. Je dis même si c'est ma grand-mère, mon grand-père, imbécile, il est toujours au pied des envahisseurs de notre pays, qu'il y a déjà 1400 ans, ils ont envahi notre pays. Et ils ont installé là-bas, et ce sont eux qui donnent des ordres, et ce sont eux qui louent tout jusqu'à maintenant. Si même mes parents, ils obéissent à ces gens-là, c'est des connards. C'est des connards. Cet peuple ne mérite pas de vivre. Voilà, je vais être franc. Peuple, il fallait que ce soit comme le peuple que Serge Klarsfeld nous a montré. Nous ne devons jamais pardonner et jamais oublier le crime qui était commis par Hitler. Mais à part de Hitler, pour la Perse, pour l'Iran, pour l'Égypte, pour Nord-Afrique, pour le Liban, il y avait les mêmes crimes qui ont été commis. Et il y avait 2 millions de jeunes qui étaient assassinés, égorgés, tués. Et actuellement, moi, je parle d'Iran. Les Iraniens ont parti jusqu'à maintenant, qu'ils soient sur leur tête, cette voile de désert d'Arabie Saoudite, ou à l'intérieur de leur tête, de prendre comme saint et comme la croyance sacrée des envahisseurs, qui les tuent tous les jours. Ces gens-là, voilà, c'est autre chose. Mais Cyrus, les filles, ils vont gagner, et tu vas voir d'ici quelques temps. Actuellement, même, il y en a d'autres choses que je vais vous dire, vous ne savez pas. Actuellement, chaque jour, aujourd'hui, j'ai reçu un message tamponné, signé, c'était sur leur site, j'ai obtenu, de service de renseignement iranien. Le service de renseignement iranien, aujourd'hui, sur son site, Internet, ou peut-être c'était Telegram, il a publié quelque chose, communiqué, en disant hier seulement 12 ayatollahs, des grands ayatollahs, étaient assassinés par le peuple. En plus, par les policiers, par les gardiens, par les gens qui étaient gardiens de ces gens-là, ils l'ont tué. Après, les services de renseignement iraniens, eux-mêmes, ils disent que ça, c'est tous les jours. C'est-à-dire, tu vois, en Iran, il y a le changement en train d'y arriver, mais Cyrus, très important. Il faut que les vieillards, tous les vieillards, ils suivent les filles, la jeunesse. Je te donnais l'exemple. J'ai dit aujourd'hui, une seule fille, elle a réussi de rassembler plus. Moi, j'ai le film, j'ai le vidéo. Vous allez sur notre site, on va le mettre, vous allez voir. Une seule jeune fille, elle a réussi de crier, et 200, 300 personnes autour de voitures de policiers, et ils ont libéré le garçon qui a été arrêté. Je vous écoute, Cyrus.
Oui, tout à fait. Non, ce que je voulais dire, c'est que dommage quand même. C'est pas que j'ai quelque chose contre les gens d'origine arabe ou turque. Mais ce qui est ennuyeux, c'est que ils sont tous en même temps, enfin, moitié arabe et d'origine turque aussi. Tu dois être là, je veux dire. Mais il y a quelque chose qu'il a dit et j'ai oublié là. Je voulais dire que, est-ce que par exemple, moi je suis un étranger, enfin, en tant que je suis iranien, et je suis pas, j'ai pas la langue maternelle française. Mais si je pose la question, par exemple, les montagnes, qu'est-ce que ça signifie étymologiquement? Je suis sûr que la plupart des gens ne savent pas. Tandis qu'il suffit de réfléchir là-dessus et tourner les mots à l'envers, ouais. Et mental, en fait, voilà ce que j'imagine. Peut-être dès le début, les gens ne savent pas quoi le nommer. Ils voyaient qu'il était, il va au ciel. Et ils ont mis les noms qui atteint la lune. En anglais, je dis moon. Donc, atteint moon. Mais à l'envers, ça fait montagne. Et, la plupart des mots, après, j'ai remarqué que, enfin, directement ou indirectement, ils ont ces origines-là. Et des fois, on discute enfin, sur un seul mot, un seul concept, les gens se cassent la tête pendant des mois pour rien. Et une fois, si on arrive à, comme vous avez dit tout à l'heure, rechercher dans le vrai bouquin, étymologiquement, les mots, l'origine des mots, de où ça vient, le problème, ça se résout tout seul. Sans vraiment chercher une réponse. Voilà, c'est. Moi, franchement, par exemple, à l'époque, mon grand-père il était vivant, moi j'avais 15 ans. Je lui ai posé la question une fois, j'ai dit, grand-père, les gens disent que vous, des gens de montagne, j'étais à côté du Kurdistan. Vous attaquiez les voisins, vous tuiez, vous faisiez ceci, vous faisiez cela. Il m'a dit, mais non, c'est pas tout à fait ça. C'est que de temps en temps, c'est vrai. On faisait pas la guerre, mais on attaquait. Il dit, mais pourquoi vous attaquiez les Kurdes, les autres ethnies à côté de vous? C'est parce que pendant longtemps, on a aperçu que si on reste entre nous, notre ethnie, on attrape des maladies, on devient faible. Donc de temps en temps, on attaquait, on volait une fille, un garçon, des fois un garçon, des fois une fille, des fois, ça dépend encore. Mais souvent, des jeunes, très jeunes, voulaient élever chez nous pour que ça devienne l'un de nous. En fait, ils faisaient ça pour les modifications génétiques, pour ne pas avoir le même gène longtemps, parce que ça se pouvait maintenant, on tombe malade après. Voilà. Sinon, moi, ça fait bon, 40 ans, j'attends. Ils vont s'en aller, ils vont s'en aller. Toujours là, ils étaient là. Et je suis presque quelques années, je vais mourir alors. Mais bon, c'est. L'autre jour, j'ai parlé avec une famille de moi au Canada qui est réfugiée.
Lui aussi, il était très parce qu'il a quitté le pays très jeune, à 14 ans, et il était très perturbé à cause de ça. Il posait toujours la même question, disons, avant c'était mieux, quand ils vont aller, ces gens-là, et tout ça. Et à un moment donné, je lui ai dit, j'étais jeune, mais tu connais pas l'histoire d'Iran très bien. C'est une étape, l'islam, c'était une étape en Iran, on devait aller à fond. Personne n'a laissé parce que tout le monde s'inquiétait pour le sort des Iraniens, comme les Achats ou les autres. Et ils croyaient, ils feront de bien, mais ils ont bien fait quand même à leur époque. Mais c'était une chose qui devait arriver. C'était une chose que les gens devraient subir et voir le fond des choses. Qu'est-ce que c'est l'islam? Sinon, ça resterait toujours dans le noir, dans l'ombre, comme quelque chose d'idéal. Maintenant, tout le monde sait qu'est-ce que c'est. Une fois ils s'en vont, ils reviendront plus jamais. On viendra à zarathustrisme ou autre chose, raïsme ou autre chose. Mais moi, franchement, je pense que c'est ça. C'était une étape nécessaire. Quoique ça coûtait cher. D'abord pour moi-même et les autres. Ma famille, mes pays, mes gens, mes amis, tout le monde, enfin. Vous. Mais qu'est-ce que vous voyez? Vous ne pensez pas à la même chose? Cyrus, tu parles de mon cœur à moi. On a le même problème. Mais tu sais, je te dis au sujet de braves peuples, ethnies du monde, c'est le kurde. En plus, tu sais, le kurde, en des kurdes, c'est faux encore. Autre chose que il faut le corriger, comme pour nous parler des choses que j'avais dites pendant. Depuis 40-50 ans, kurde, c'est pas kurde, c'est gorde, gorde. Gorde, ça veut dire champion, héros. Le peuple gorde, les Arabes, puisqu'ils n'avaient pas le gaf, le gay, ils ont dit ké, gorde. Comme Parsi, ils disent farsi, ils n'ont pas le p, ils le prononcent comme ça. Le nom de peuple kurde, c'est gorde. Et gorde, en persan, ça veut dire champion, héros, grand bataillon. Et ces gens-là, avec les Arméniens, avec les Atorpatiens, Atorpat qui parle turc actuellement, Bakhtiari et les autres, ce sont le patron d'Iran et de la Perse, puisque Mat et Ashkanian, pendant des siècles, avaient des pouvoirs mondial à l'époque. Et actuellement aussi, c'est les Kurdes qu'ils ont gardé la tradition de Zarathustra, comme tu viens de dire. Et toutes les traditions de Zarathustra, c'est chez les Kurdes. Mais on a pris d'autres noms. C'est puisque avec l'islam, tu ne peux pas dire d'autres choses. Alors, mais par contre, Cyrus, il faut avoir l'espoir. Toujours, il faut avoir l'espoir. Déjà, si les femmes, ils prennent leur liberté très prochainement en Iran, après le régime, qu'est-ce qu'il va avoir? Rien de tout. Pour lui, et depuis 43 ans, non, depuis 1400 ans, chador, hijab, les enfants d'Ali, Ashura, des bordels comme ça, c'est avec ça que les envoyeurs, ils ont envoyé un pays, et après, comme Hitler. Hitler, il attaque d'autres pays, il s'installe. Après, la population de ce pays, ils viennent esclaves de Hitler. C'est ça le cas d'Iran. Oui, tout à fait. Ils font exactement le même parcours, si vous voulez.